quinquavisionnaliser, réhabiliter, restructurer, réinstaurer, même sans ré. Quand je suis à l'université, surtout en tant que dictateur scientifique, c'est naturel, j'ai choisi ces deux camps-là pour essayer d'enseigner le monde entier. Et surtout, d'autant plus, j'aime les réformes. Là où il y a la crise, c'est là où il y a ma vie. C'est comme le Congo est en difficulté. Pour moi, c'est tellement nécessaire. Je sais que maintenant, qu'on le veuille ou pas, je dois donner des solutions. Les pistes de solutions que j'ai déjà introduites à l'ONU. L'ONU a ça, le russe, les français, les... Oui, mais vous, comme vous êtes plus dans le football, vous êtes dans les Nzango, vous êtes dans les églises intérieures en papyrus, distraction que vous développez, je ne sais pas, ça vous donne quoi, hein, cette distraction-là, venir de voir vos côtés sur le théâtre, hein, venir si vous êtes dernier, oh non, nous avons beaucoup de bien voulu, monsieur. Ça va, Eddy Malo, votre programme. Oui, le premier point. De mes grandes exploitations, parle de la congolexicomatisation, déjà dans les dictionnaires. C'est quoi la congolexicomatisation? Ce sont des lois, droit, donner les recevoirs du Congolais. Les Congolais ne doivent pas attendre les riz qui proviennent de Chine pour manger. C'est un acabit. C'est vraiment l'axiomatique. Axiomatique? Oui, c'est contraire aux normes. Parce que vous avez des terres, mettez ça en place. Récupérons tous ces moineaux, tous ces colibris, tous ces flibustiers au champ. Et on est majoritoniste lorsqu'on produit. Mais contraire, c'est un acabit hors maxime. Bon, je sais que les Congolais ont des difficultés là-bas même pour comprendre. Mais ce n'est pas mon problème. C'est de vous imposer les savoirs. C'est de peine. Congo debout par la science, mais pas par des jeux. Le jeu là, hein. Je ne peux pas me déplacer, aller suivre les matchs au stade de Martyrs. Perte du temps. Deuxième programme. La congolinternationalisation axésialiste comparée dans le corollaire absolu, notamment néanmoins. Travailler ensemble. Sam, c'est Dieu. Les scientifiques que nous sommes et les artisans, les gens qui fabriquent des bijoux dans les joailleries. Et le genre de métier de mécanicien, de charpentier, des ébénistes, nous devons travailler en collégialité. Congé. En consul. En communium. Mais parce que distraction du Congolais, là. Pourquoi là. C'est impossible que vous puissiez avoir. Parce que le pays qui vous guette, ils vous prennent même des terres parce que vous êtes distrait. Ils vous prennent parce que quand vous êtes distrait, c'est lui qui est plus malin gagne. Vous dites, oh non, ce sont mes biens. Mais savoir les gérer, c'est mieux. Ils vont une culture de gestion. Absolument. Un questionnement, parce que je ne peux pas soliloquer, parler seul. Un questionnaire, un questionnement ou bien une question. Les avalanches, ça, c'est là que je veux. Ça va là, vous êtes en train de soliloquer. Et puis le troisièmement, votre. Oui, problème, Congo médico-assistance, c'est un asile à consulter. Là, je démontre la COVID. Pas la convulsionnalité vitaminostatique intraviose. Ça veut dire quoi? Cette flatulence qui est en train de décimer, surtout les zones tempérées. Ici, nous sommes dans une zone tropicale. L'influence des airs, j'ai déjà donné les laser jets calmement, et à Mayus, à part que je vais développer ça, pour que nous puissions diminuer l'influence de la COVID, coronavirus, corona, couronne, c'est ça que veut dire, on a abrégé. COVID-19, parce que ça a commencé à influencer l'année dernière, en 2019, ça a commencé au mois de février, en décembre, ça a vraiment impulsionnalisé, impédationnalisé. Ici, je vais utiliser tous les critériums de fac, parce que le niveau est trop... Hein. Et faire un débat avec un Congolais, c'est une insulte. J'ai fait des débats avec le Français. Avec votre frère Mende, ça va, non? Non, je vais lui donner qu'on ne saura pas. Il est local ici, il y a un petit Français fabriqué. Et nous, on a des dictionnaires. Parce que le pays doit avancer cette année en principe. Les lois sont là. Il y en a, c'est multidimensionnalisé. J'ai déjà composé ça calmement. Il y a des 15 000 pages. Apologétisme, ça passe. L'OACM, savant et du mal entrepreneurial.
il y a de 36 600 pages, 366 fois 10, 62, ça passe. Il y a le Memento, 50 000 pages. L'Enclos Kotassi, c'est 100 000 pages à lire sur place, à mettre au Kouaka là. C'est où? Où est-ce qu'on peut les trouver? France Expertise Internationale. On peut taper même sur le net, vous voyez les rubriques qui s'enchaînent. Parce que si je ne le fais pas, bah allez, 16 heures, on va jouer en kilomètre. Mais plus de ce n'est pas ça. Vous avez donné seulement 3 là. Non, je continue. Il y a l'Enclos Kotassi, la sélection naturelle, ça veut dire que les idiots doivent être placés devant et les gens qui sont un peu transnationalisés doivent être derrière pour les mieux comprendre les axes. Conseil intellectuel, l'âge mental, sur l'âge chronologique, de toute façon. Parce que l'âge maintenant où je fais mention, c'est pas l'âge où j'ai 100 ans. L'âge, c'est. Quand on est idiot, quand on est idiot, on est déjà vieux. La tête doit fonctionner. La jeunesse, elle doit être cognitivisionniste et cognostatitionniste. Le niveau, vous n'êtes pas dans l'obligation de copier des matières de la colonie belge. C'est un acabit. L'homme blanc a travaillé compte tenu des 6 provinces. Maintenant, 26 provinces. La BCDR politique, ça veut dire quoi? Chaque lettre de l'alphabet répond et correspond à une province. Politique de plusieurs pays. Réquincavisionnaliser, réhabiliter, restructurer, réinstaurer, même sans ré. Quand je suis les universités, surtout IPC, vous dira savant. L'Ovanium, d'ailleurs, je venais d'être là. Je fais au moins 2 mois successivement, tour de fac, imposer la relation. Parce que je ne vous laisserai pas sans réforme. Vous allez continuer à copier des matières de Diego Cao, Stanley, et tourner comment? Tourner, hein? De droite à gauche, gauche à droite, et puis la submersion. On s'enfonce. Or, les orses dans les Honduras sont interdits dans la science. Nous, on doit avoir. Je ne peux pas toujours soliloquer. Soliloquer. Pourquoi votre mort fait toujours la hymne dans les associations? Je suis là. La hymne, parce que, en tant que dictateur scientifique, c'est naturel. J'ai choisi ces deux camps-là pour essayer d'enseigner le monde entier. Et surtout, d'autant plus, j'aime les réformes. Là où il y a la crise, c'est là où il y a ma vie. C'est comme le Congo est en difficulté. Pour moi, c'est un mal nécessaire. Je sais que maintenant, qu'on le veuille ou pas, je dois donner des solutions. Les pistes de solutions que j'ai déjà introduites à l'ONU. L'ONU a ça. Le Russe, les Français, les Américains, Eddie Malou est là. Bon, il maîtrise le Congo, hein. Il a ça dans sa poche. Hein. Mais ici, on vous dira, grand pays, c'est pour ça. Grand pays par rapport à quoi? Par rapport à la Russie, par rapport aux Yézins. Par rapport à la Chine, non, on est grand lorsqu'on produit. Le Japon est grand, la Belgique, grande nation. Lorsqu'on ne produit pas, hein, on est gérénationalisé. On est dans la gériatrie, dans vétusté sous cette. Bon, les termes, en tout cas, c'est ce que j'ai prévu dans le dictionnaire. Hein. Moi, je ne suis pas né imbécile et je ne serai jamais idiot. Je ne serai ni Doucouré, ni Yukoudou. Impossible. Dieu m'a choisi pour vous encadrer. Encadrer les encadreurs. Hein? Encadrer les cadres et cadrer les encadreurs pour que les gens mangent à table, pas sous la table, pas dans la table, pas vers la table, pas à la table, pas par la table. Vous êtes un rappeur, Eddie Malou. Vous êtes un rappeur. Dieu m'a donné les capacités pour encadrer le faible. Mais faire un débat avec moi, c'est un peu. D'ailleurs, le blanc va vous dire, monsieur, tu vas faire un débat avec un costaud comme ça, Eddie Malou. Non, tu es aventuré, vas-y. Parce que tu ne sauras pas. Que pensez-vous du Premier ministre qui vient d'être... Je dois lui donner un programme. La congolexicomatisation. Il y a tout là-bas. Café à produire. Mais on n'a pas prévu au bal et aux musiques. Hein. Au théâtre, on n'a pas prévu. Il y a l'Institut national des arts et spectacles qui prévoit les heures.